Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi content ensemble avec nous. Déjà, nous saluons tous les amis qui connectent dans quatre coins de là. Nous disons bienvenue. Après Gozak déblosaï dans la ripo de Prince, policier qui relait tête au fantôme 609 yo te fin fait, eh bien chef la police là déjà prend la rue, li paraît indifférent sous zak violence sa yo qui perpétré en dans capitale là. Cependant, affrontement ça la cause, Laza Patrick, yo agent soit tombé en babal groupe fantôme yo. Dans commissariat canapé VA et puis Maré Koukrab chef fantôme 609 yo. N'a pas rappelé plusieurs moun mouri ak l'autre blessé. Trois machines incendiées dans circonstance ça. Regardez dans la police ça paraît indifférent sous drame ça qui passait. Yo déjà pris engagement camper en face toute violence yo et puis Maré tout nèg qui t'accomplice. Dans sens ça, m'a invité entendre déclaration chef la police là, Léon Charles qui croit groupe fantôme 509 yo c'est un cancer pour la police ak citoyen yo décidé résoudre coûte que coûte. Gros problème ça qui a rongé la police là. Sofia TV 83 Jean Connel là, nous c'est réseau Paola, gros réseau, réseau information. Journée jodia, c'est une journée day pour la police là. Côté Anosa Patrick qui c'est un agent SWAT tombé en bas bal assassin groupe fantôme 509 devant commissariat Canapé. Après le groupe, ça a été fait bouler trois machines sur route Delma. Unité spécialisée New York était obligée de réagir devant la qualité de violence que le groupe a été déclenché dans la capitale. C'est comme ça, dans le poste, quatre agresseurs qui sont Wilbert Florent, Walter Bichot, Marseille Junior, Joseph Adam, ont été touchés mortellement et plusieurs autres blessés. Que nous avons cherché activement. Renal Courtois, qui est un dans l'idée mouvement, ça, dans nous, et c'est un policier actif. Service renseignement a été informé des activités de groupe ça. Et disposition te prend pour bloquer les policiers qui choisissent de servir l'autre cause pour l'argent avec intérêt personnel contre la police là, qui a payé yo. Pour protéger les citoyennes et les citoyens. Sous commandement PAM, je te dis, je ne peux pas accepter. Et le mot Patrick Anosa, qui fait partie de la 25e promotion, renforce l'engagement dans le camp contre toute forme de violence qui a détruit le pays chaque jour, puis plus. Dans un moment difficile, ça, je salue le courage de tout groupe là. Avec au commandement qui campe jam la journée comme la nuit pour empêcher le pays à tomber dans le chaos. Nous saluons tout, mémoire nous a, et nous disons famille que nous sommes fiers de voyant garçon ça. Il était bon nous et qui mettait au service du pays à campir conviction. Nous disons famille, le pape mourit pour grand merci. Pendant que nous avons honoré mémoire, nous connaissons que plus de justice nous a rendu à la famille, c'est résoudre définitivement le problème fantôme 609. Qui est un cancer pour la police là et pour les citoyens. Monsieur Dame fantôme 609, vous êtes dans la rue. Et Léon Charles était mobilisé troupes pour te contrecarrer. Naturellement, ça n'a pas été fait. Mais pour le moins, il y a eu affrontement. Parce que tu es annoncé. En tout cas, pour le moins, il y a eu affrontement. Et au final, naturellement, il y a une information qui est sortie. Il semblerait que tu avais gagné une victime dans les rangs de fantômes 509. Ils ont même tout. C'est des policiers, il faut le dire. On va parler de l'arrestation de M. Courtois. Oui, oui. Ah. C'est Yonan, chef de file, fantômes 509. Et il y a le policier de la SWAT, son unité spécialisée, qui a été tué par balle. Mais donc, Peggy, les fantômes 609 sortis, qui côté était sorti? Il sorti. Moi-même, l'aime d'attendel, m'a pas côté le sorti, mais l'aime d'attendel sous RCH 2000, que me saluer travail, monsieur Sayo.
et saluer travail tout et équipe là parce que c'est grâce à eux même qui permettent que moi même pas prendre dans Toawa puisque c'est eux même que m'tap suivre vers CH 2000 et donc les par exemple où m'tande RCH moi même m'ap suivre et puis m'tande dit monsieur Osudelma qu'on a moi même m'tap sorti là dans centre-ville et puis m'dit qu'est et ben bah, monter canapé vert. Pendant m'a pral monter canapé vert m'a pral river pour m'a prendre route canapé vert là m'a dit monsieur qui est en Pétionville qu'on a viré m'virer descendre pour me passer et pour m'a sortir sous boudon pour m'a pral prendre ou tes pipis sur est-ce que ah non mon cher m'a pral prendre Delma 60 m'a on est comme ça faut que ouais que m'a on est comme ça même aller pour m'a prendre Delma 60 qu'on a m'a dit mais monsieur a descendre sous boudon ou tu tremble net attends qu'on a là redescendre non qu'on a me casser tête tourner m'a passer par Delma pour m'aller côté m'd'ap aller là mais on pas gagner avant parce que ce sont des véhicules publics qui sont ciblés non c'est pas comprendre bien ça me dit là l'on dans situation ça yo c'est parce que gon courir dans la rue c'est l'âme de vlala avant gon courir ça veut dire machine à courir à droite à gauche parce que son fantôme 509 les fantômes 509 dans la rue faut qu'on comprenne son panique généralisée que le crier oui absolument donc mon a courir à droite à gauche donc moi même pas de vouloir retrouver ma porte à faux avec mon cap courir ça veut dire mon courir face mon a courir mais moi ça me dit Léon Charles t'a dit que le préparer mais même bon parcours là qui fait tout parcours ça tout mon a courir parmi lesquels moi même moi sorti côté me sorti pour m'aller côté me braler pas de jambe gain qu'une intervention police qui t'est faite donc ça veut dire l'ordre dit que Léon Charles t'est préparé il y a prétend yo mais pendant que monsieur atteint objectif yo parce que objectif yo c'était créer panique généralisée ça sur toute route là et ou bien revendication gens ont dit là jusqu'à ce que yo redescende et puis après yo disparaître dans la nature donc moi même jodi a l'ordre parle de police nationale qui gain 25 ans en dans société haïtienne qui sont instruments que population a crié parce que la police nationale n'appartient pas à Léon Charles, la police nationale n'appartient pas à Jovenel Moïse, le président, la police nationale n'appartient pas au chef du CSPN, le premier ministre Joseph Jout, la police nationale pas appartient à Fantôme 509 ou bien n'importe qui mounan. La police nationale c'est un outil de sécurité que peuple haïtien bail tête li parce que c'est petit li qui l'a dedans. Donc si on est absolument. Et c'est un directeur général de la police qui t'est clairement précisé que Fantôme 509 est constitué entre autres de policiers actifs. Oui. Donc c'est par exemple aujourd'hui parce qu'un policier révoqué là dans le tout et il y a d'autres dans l'autre monde tout qui l'a dedans. Oui. Mais pour le moins il y a des policiers actifs en fonction qu'il a donné. Donc si aujourd'hui on a parlé des chèques des hommes politiques dans ce pays, la police nationale c'est l'exemple frappant deux échecs. Par exemple, nous vivons avec, par contre, combien de syndicats qui gagnent la police là qu'on y a? 509, Fantôme 509. Base Pilate, où t'attendais ça, c'est un gang puissant qui gagne dans le pays d'Haïti, qui formait d'anciens policiers, de policiers et de gangs. Non policiers, yo, nan gang. Ça veut dire, jodia, ça me gagne avec police nationale là. C'est résultat. Résultat politicien, c'est pas résultat population haïtienne, non, puisque c'est population haïtienne, je dis, qui est victime de police nationale. Donc, si je dis, on est ou bam ça, vérité, ou bam ça comme police nationale, et pour continuer à faire fierté, ou continuer à parler en pile, il faut que les hommes politiques, je dis, de tout acabit, mettent genoux à terre pour demander pardon à la population haïtienne. Parce que ces gens-là, ils ont amusé à détruire tout mécanisme que société a baillé tête li. Alors moi-même l'on est capable de dire comme ça que Léon c'est pour question il faut arrêter avec ces individualités, il faut aller dans le concret avec des hommes qui sont capables de produire des résultats. Jodia Fantôme 509 qui s'allie son talon d'Achille lié son épine que lié dans pied nèg qui sous pouvoir yo, qu'il s'agit du président de la République, chef CSPN là même monsieur Joseph Jout, pas même besoin parler de monsieur parce que bon monsieur lui même pas même quoi le besoin prendre la parole encore parce que en termes de résultats concrets jusqu'à présent Fantôme 509 prouvait que tout ça monsieur était qu'on a dit là il pas généré aucun résultat parce que si Fantôme 509 qu'a sorti jeudi hein, depuis avant que monsieur Jout arrive au pouvoir Fantôme 509 a sorti. Pendant là, Fantôme 509 sorti plusieurs fois, puis il sorti encore aujourd'hui. Hein. Moi-même, pensais que monsieur, Fantôme 509, c'est la preuve que vous avez échoué. Faut que nous acceptions, monsieur. Faut que nous acceptions. Parce que, en politique, ce n'est pas uniquement la force qui compte.
les négociations, les discussions. Est-ce que nous chita avec monsieur? Est-ce que nous parlons avec? Est-ce que nous travaillons avec eux? Maintenant, en Haïti, toute solution, c'est politique. C'est mon cap voyer ceci. C'est mon cap. Mais monsieur, la politique, c'est un jeu d'intérêt et d'influence. C'est des discussions, c'est des compromis. Alors, nous pas qu'à chita pour nous parler en dans société ça, pour nous jouer une solution problème. Acceptez que Fantôme 509 qui sorti hier là, c'est votre échec. C'est à vous. Ramassez ça nous fait à terre, hein, monsieur. L'éclair devant tout le monde. Que nous salcons. Moi-même, c'est comme Samuel. Vérité.